I think I have prepared something, but it's not necessary. Just to tell you that as a representative of Algeria, we are delighted by this resolution. We hope it will be a new start for the peace process between the Kingdom of Morocco and the Frente Polisario. We hope everything now, everyone will work bona fide in the next future. That's all I wanted to say. We are delighted by this resolution. Yes. سعادة السفير باللغة العربية نظيرك المغربي تحدث عن حسن النوايا لدى الجزائر في المساعي من أجل حل هذا النزاع الطويل في الصحراء الغربية هل الجزائر مستعدة لإبداء حسن النية كما تطلب المغرب في هذا السياق وما هي الخطوات التالية التي تعتقد الجزائر أنه يجب اتخاذها من أجل تسوية هذا النزاع الطويل في الصحراء الغربية نحن نتمنى أن الأمين العام سيبادر الآن عنده كل القاعدة اللازمة والتأييد التام الكامل لمجلس الأمن نتمنى أن يبادر هو بطبع بكل ما طلب منه من قبل المجلس الأمن الآن وبالطبع الجزائر سوف تدعم أي مجهود من قبل الأمين العام ندعم الأمين العام كما عملناه في السابق بالطبع دون شك Do you understand that the C-24 is planning a visit to the Tindouf camps and would it be facilitated? What is your view on it? I have no problem with any visit of the C-24 to, of course, they will be the most welcome. Anyone wants to come to visit Tindouf and definitely they're the most welcome. This is what we're asking all the whole international community to come and to see by itself, anyone wants, journalists, politicians, Secretary Council, C-24, whoever. So they're most welcome. Do you have any response? What's the status of the process of choosing a new envoy? We don't have the power to oppose or to favor anyone. So it's the, we understood that Christopher Ross is not anymore wanted here. So it's up to the Secretary General. So we don't have anything to say. It looks like everybody's happy about this resolution. I mean, what's the problem? Thank God. It's great. What's the way forward? I just said in Arabic, so now it's up to the Secretary General. Now he has the strong backing of the Security Council, the unanimity. There is the resolution is very clear. So we'll follow up. That's it. Yes, go ahead. L'ambassadeur marocain disait tantôt que les pour lui, les Sahraouis, sont des Marocains. Donc, ce qui apparemment laisse entrevoir que la question de l'autonomisation n'est plus à l'ordre du jour. Quelle est votre réaction? Eh ben, si l'ambassadeur du Maroc dit qu'ils sont Marocains, eh ben, qu'il leur donne la possibilité de choisir par un vote. Et c'est simple, et on sera les premiers à dire bravo. Laissons-les le choix, s'ils veulent être Marocains ou ce qu'ils veulent. Yes. Yeah, I'm not because yeah. Since my colleague occupied the time, I will leave him. I will leave others on the humanitarian side, I would like to ask the same question I asked the Moroccan ambassador. Yes, go ahead. The resolution asks for more humanitarian aid to the populations in the people living in Tindouf, but with no. Registration of these people. We don't know how many people. Why does Algeria still refuses to any census of the people living this in this is a lie. We never refused anything. The UNHCR is there. Everyone is there. NGOs are there. They can go there. And let me just remind you of registration if you did follow or do follow the peace process, the peace settlement, the registration will start as soon as we know what's the date of the referendum. But, you know, everyone is there. The World Food Programme, they're all there. So we have no problem. I have no problem with that. But there are no numbers, no official numbers of the United Nations. Ask the UNHCR, and the Secretary General is former head of the UNHCR. So. Quel est exactement le rôle de l'Algérie? Vous dites, chaque chose, ça dépend du secrétaire général. Nous, on est d'accord pour approcher les vues, mais quel est exactement votre rôle? Je n'ai pas compris votre question. Là, si vous parlez du... Mon rôle, c'est de faire la paix dans cette région, dans notre région. C'est la nôtre. En appuyant le secrétaire général dans ses efforts. Mais vous dites que ça dépend du secrétaire général. Vous êtes je dis ça présent, dépend du secrétaire général. Bah, je vais vous répondre. Parce que le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution à l'unanimité. C'est tant mieux pour la... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'unanimité. Qui dit clairement, on demande au secrétaire général de faire certaines choses. Nous l'appuyons et nous en sommes heureux.
Donc nous allons appuyer le secrétaire général. Il dit qu'il faut qu'il y ait des négociations très vite. Eh bien, tant mieux, on va voir. Le général appelle, par exemple, comme vient de me dire mon collègue, à un recensement des populations dans les camps de Tindouf. Où est-ce que vous avez vu ça? Mais j'ai pas de problème. Mais écoutez, la résolution, elle le mentionne. Mm-hmm. Le rapport du secrétaire général aussi. Alors, mm-hmm. si vous dites que vous appliquez ce que dit le secrétaire général, bien entendu. Pourquoi vous ne l'appliquez pas? N'appliquez pas quoi? Je ne vous comprends pas. Le recensement, ce n'est pas l'Algérie qui le fait. Les comptes de Tindouf, mais posez la question à OHCR, ils vont vous dire quel est le chiffre. Je pose la question à vous, puisque vous dites que vous appliquez tout ce que dit le secrétaire général. J'ai dit, nous appuyons le secrétaire général. Et s'il le demande, montrez-moi un document, il dit, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas vous montrer le document, c'est écrit noir sur blanc, dans le rapport, le dernier rapport du secrétaire général, tout comme la résolution qui a été adoptée aujourd'hui à l'unanimité. Je vous ai donné ma réponse, ça sert à rien d'insister.